signé la JDA Dijon 107-74, victoire de la JDA Dijon dans cette cinquième journée de Betclic Elite qui a refroidi totalement le jeu de Pau, ouais, avec une adresse assez folle et une très belle équipe. Les supporters sont là. Rovat non, à 9 mètres. Oh là 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 là, ça tombe dedans. Grégor Rovat à longue distance. Ouais, dans ce début de saison, mais après voilà, chaque match est nouveau. Ouais, Tyron Johnson. Oh, il est à 9 mètres. La bombinette de Tyron Johnson à 3 points. Ça tombe dedans. 6 points pour lui. Sorti, à 3 points. C'est court. C'est court. Il faut shooter à Madusso tout de suite. À 3 points, il est capable. Et oui. Oh là 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 là, Madusso. Timothée Vergia. Oh, attention. Et le rebond de Brice Dessert. Ça va le mettre en confiance, Brice Dessert. Amadouso, Amadouso, c'est incroyable ce début de match. Allez, Jonathan Roussel. Non. Petit big up à toute la communauté de footballeurs. Roussel, sur un pied. Roussel, c'est le shoot le moins académique que je connaisse. Il a un shoot de... L'harceleur est diabolique pour l'instant. Il est maudit pour la JDA Dijon. Romain du côté. Oh, le step back, c'est magnifique. Ce que fait Romain du côté. La filoche. Très très fort. Dijon qui défend super bien sur les pick and roll blaisois. Il repousse les... Oh là. Abdoulaye Loum, claque-nous ça. Et temps mort, demandé par la Diablo Basket. Le break est... Dans cette période. Ouais, Abdoulaye Loum qui va enfoncer Tyron Johnson. Abdoulaye Loum, c'est super bien joué. Avec ses grands segments. Lui, la défense, la petite zone presse au 3 quarts, zone flottante et... qui a gêné tant d'équipes depuis le début de saison. Jonathan Roussel, voilà. Donc il a été très très bon, on l'avait souligné, au relais de David Alston. Alston, Rovat. Oh, c'est dedans. Rovat pour démarrer de la meilleure des façons ce second quart-temps. Le match avec un 3 points. Et qui débute cette seconde mi-temps avec un 3 points. Mbaye Ndiaye. Et la claquette de Amadouso. La 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 la. Brebli. Qui fait le tour de la raquette, on passe par Alston, la magnifique passe pour Grégor Rovat, plus 20, et la JDA Dijon qui est en train de... défense est vraiment mauvaise côté blaisois aussi, et ça profite forcément à une équipe de Dijon qui a de l'expérience, Mbaye Ndiaye au dunk. Voilà, il faut vraiment, comme ça a été fait là, derrière, il y a beaucoup d'espace dans cette... Rovat, Mac de Fio, là 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 là. Il a voulu se matcher sur Mbaye Ndiaye. Il a dit non. Il avait juste à récupérer son propre rebond. Allez, Alston à 3 points. C'est dedans. Là, c'est dedans. Et là, c'est vraiment une catastrophe, ce passage côté blaisois. Les meneurs de jeu, ils parcourent beaucoup de kilomètres sur le terrain. David Alston. Et hop, il est encore là. Il est de tous les bons Gagic. Coups. Gagic. Il va jouer face à Brembley. Gagic, le poignet. La finition. Simon. Qui est peut-être l'homme qu'on n'a pas vu du côté de la JDA Dijon. Et Mbaye Ndiaye. Sur JR Sénégal sur la piste de décollage qui dépose. Oui, il est impressionnant David Alston aussi. Yanis, moi c'est la première fois que je le vois en vrai. Alston à 3 points. Oh là 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 là. Regarde David. Ouais, il suffit d'en parler. Lui aussi peut scorer. Le numéro 3 de la Diablo Basket. Alston. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fort David Alston. Il est vraiment. Ça et voilà, il est là le principal problème. Ridicule. Regarde David, ses individualités, on veut jouer tout seul. Non. On joue plus pour les autres, on joue pour nous. Et là, il y en a un. De son art, David Alston. Chapeau l'artiste. Hein. Vergia. Oh, c'est compliqué comme tir pour Timothée Vergia, mais ça rentre. Alston. Il est tenu par Tyron Johnson et Smith. Oh, il retrouve Rovat. Oh là 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 là, quel move de Grégor Rovat. Assez impressionnant ce duo. Parfaitement servi dans le trafic. Amadouso. Et voilà. La belle passe pour Paul Rigaud. Voilà ce que l'ADA n'a pas réussi à attaquer. Yanis, le premier rideau avec une passe du côté de la ligne des lancers francs qui permet de fixer pour dégager la ligne arrière. C'est Marquis McDuffie au dunk. Décollage imminent. Ils sont tellement hauts, tellement pressants, ils repoussent l'adversaire tellement loin que c'est compliqué de... Smith, qui décale pour Ego, la réponse. Alors là, c'est un peu... Oh, Roussel, il est très loin. Steph Curry. Et Roussel, Curry. Attention, hein. Roussel, on parle quand même... Le local du club. Bon, bah, tu vois, j'espérais les moins 20 et non, ça fera peut-être moins 33. Non, c'est incroyable.